Nous allons vous parler de, de, du patron de Topaz que vous voyez ici. Ce monsieur, c'est l'actuel patron de Topaz. Mais comme ce monde, ceux qui sont avec le diable n'aiment que l'argent. Vous savez, ce gars est venu en Guinée. Topaz, pendant les 11 ans, sous le présent Fakonde, tout le monde a vu le nombre de travailleurs. Vous savez, il y a des plastiques que nos commerçants commandaient à l'étranger. La politique de créer de l'emploi pour les Guinéens, le président Alpha Condé, ils avaient pris la décision d'interdire, d'importer certains produits plastiques pour que Topaz puisse augmenter la production en Guinée, grandir, c'est-à-dire leur, augmenter leurs revenus. Le président Fakonde a fait ça pour ce monsieur que vous voyez là. Celui que vous voyez, le patron de Topaz. Voilà. Attendez, mettez le cœur, je vais. On va voilà, continuer. Asok. Donc, Asok, son business s'est agrandi. Le patron de Topaz. Malgré tout ce que je viens d'expliquer. On a fait ça pour ce dernier. Le président Fakone n'a pas laissé les gens importer. D'abord, on a augmenté le nombre de travailleurs parce que la production augmente. Ils ont fait ça pour ce monsieur. Mais pourquoi je vous rappelle tout ça Le coup d'État, tout ce qui était financièrement c'est ce monsieur dont vous voyez. Voilà, à ce que vous voyez son lien avec Balasamura, les travailleurs de, de Topaz, ils peuvent vous parler de ce monsieur, son rapport avec euh, Balasamura, les va-et-vient que Balasamura fait du côté de Topaz. Il est installé, il est beaucoup à Dubaï. Il est beaucoup à Dubaï. Voilà. Il a eu beaucoup d'argent. Topaz, vous voyez aujourd'hui. La politique du président Fakonde pour créer de l'emploi pour des Guinéens, au lieu d'aller importer tout temps, après avoir grandi l'entreprise de ce monsieur, il s'est retourné contre qui Le FAMA. En sponsorisant Mamadi Doumbouya. En sponsorisant l'immeuble de Mamadi Doumbouya dont on parle toujours, à Kipé, à côté du terrain là. Kakimbo, les gens parlent toujours, Mamadi a un immeuble. Qui a fait ça C'est lui. Voilà, c'est lui. C'est ce monsieur que dont vous voyez là. C'est-à-dire, les gens sont tellement ingrats dans ce monde-là. Quelqu'un qui t'a aidé, quelqu'un qui a fait une politique pour te rendre encore plus riche, maintenant, lui, il a soutenu le coup d'état du bandit Mamadou Doumbouya. La maison que Mamadi a acquipée. C'est ce monsieur Aksof là, qui a financé ça pour Mamadi. Ce même PDG là. La maison de Doumbouya, ceux qui suivent mes lives ici, que j'avais une fois montré à Dubreka, c'est encore la même personne, celui que vous voyez là. Bala Samoura était le commandant voilà, de la Jeanne de la ville de Conakry. C'est pourquoi le président Alpha Condé ne pouvait pas s'en sortir. Commandant de la ville de Conakry, à ce moment, à ce moment il n'était pas le chef d'état-major de, de, de la la gendarmerie. Il était commandant de la gendarmerie de la ville de Conakry. C'est ce bandit là aujourd'hui qui travaille avec ce monsieur. Ils ont fait venir des marabouts. Je vous ai dit, vous allez faire venir vos marabouts là. Ça ne va pas changer. Maman dit Nous sommes au courant de tous les marabouts indiens que vous avez fait venir. On n'est pas surpris, hein? Mamoudou Silla, accident. Pas quelques jours, en Soudamaro. Fatignolo aussi qui a échappé belle. Mais tout ça, vous allez échouer. Vous voyez que ça a échoué. Vous voyez que ça a échoué. Parce que nous avons la baraka de Allah subhanahu wa ta'ala. Nous nous croyons en Dieu. Tout ce que vous allez monter. Voilà. Et je vais dire à ce PDG. Je vais vous dire, monsieur, faites tout, hein. Vous voyez la situation du pays aujourd'hui. 19 200 personnes à la retraite. Parce que le bandit que vous soutenez. Demain, là, ne venez pas dire non, le gouvernement guinéen est contre vous. Lui-même que vous avez construit pour Mamadi, là, on va récupérer ça. On fera autre chose avec. Vous, vous n'êtes pas venu en Guinée hein, pour bien faire. Vous soutenez des bandits. Quelqu'un qui a fait du bien pour vous. Quelqu'un qui a fait du bien pour vous, on a interdit au temps du président Fakonde d'importer certains plastiques pour vous aider. Et c'est vous les bandits qui êtes là à soutenir ces gens-là. Tout ce qui est blanchissement de Mamadi. Parce que vous savez, vous avez vu tout récemment là, leur banque Oxford qu'ils ont voulu créer avec les Chinois, ça n'a pas marché là. Ils ont annulé hier. Tout ce qu'ils font comme transaction. C'est au nom de Topaz. Mais vous n'avez rien compris. Vous allez, ça dit, vous allez comprendre, après le 30 décembre, tout ce que vous, avez, vous êtes en train de faire. Vous pensez que les gens ne sont pas informés de vos magouilles, des blanchissements que vous faites au nom du CNRD. Parce que vous, vous avez une entreprise. Les gens vont dire, non, c'est le PDG de Topaz. Mais ce que vous faites comme transaction pour les bandits du CNRD, pour Bala Samoura, pour tous ces bandits du CNR de Doumbouya, monsieur, nous sommes informés. Voilà. L'État aussi est actionnaire hein, dans votre topaz là. L'État aussi a contribué beaucoup. Demain, là, un président légitime. Ton soi-disant que tu es aujourd'hui, tu as la tête. Toutes tes actions vont revenir à l'État guinéen parce que nous ne pouvons pas accepter des malhonnêtes qui viennent au lieu de faire du business. Non. Vous soutenez la dictature en Guinée. On vous prévient dès maintenant. Le rôle que vous avez joué dans le coup d'État. Votre lien avec Bala Samoura. Demain, quand la justice va arrêter ces bandits-là, ne venez pas dire, ah non, moi je suis homme d'affaires. Les transactions, tout ce que vous faites, nous sommes informés. Vous avez construit le bâtiment-là. Vous allez dire aux Guinéens, l'immeuble de Doumbouya a vous avez construit ça avec quel argent? Le président Fakonde qui t'a aidé là, montre-nous un bâtiment. Un bâtiment du président Fakonde, celui qui t'a aidé, qui a rendu ton entreprise comme ça. Est-ce que le président Fakonde t'a dit Il faut construire un immeuble pour moi? Mais on vous a dit, après cette transition, tous les malhonnêtes, tous ceux qui viennent chez nous en Guinée, pour voler, pour détruire, ça ne marchera plus, hein. Ça ne marchera plus. Ça, on vous le dit. Hein. Donc, hein, Balasamura, votre patron, là, faites tout, hein, tout ce que vous pouvez. Mais le jour que ça va tomber, là, vous allez tout perdre. Et tous ces gens-là seront jugés. Tous les financements que vous êtes en train de faire, ça ne marchera pas. En tout cas, en Guinée. Ça, on vous le prévient. Hein. Et vos marabouts, s'ils étaient capables de quelque chose, ils allaient rester chez eux pour faire quelque chose. Vous n'avez même pas honte. Même sacrifice humain, vous êtes en train de le faire aujourd'hui. Vous n'avez même pas honte. Un pouvoir satanique. Un pouvoir satanique. Un pouvoir. Ça dit un président. Pour avoir la confiance du peuple, tu n'as pas besoin d'aller tuer, tuer mille bœufs. Mettez-le cœur. Parce que les salauds là ils vont venir, ils vont venir signaler. Signaler comme vous voulez. Nous, nous allons parler. Vous ne pouvez pas nous faire taire. Ça, on vous le dit. Vous ne pouvez pas nous faire taire. Nous allons parler. Il s'agit de la Guinée, de notre pays. Un groupe de bandits. Tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. Et Moussé Sekolo, il faut qu'on brille. Oramedi, Narantou, l'équipe, Topaz, patron. Et Mamadi, m'a lié au coup d'État. Malgré que le président Fakonde a fait Birina Badjibé. Il a pris des décrets interdisant d'importer certains plastiques parce que usine namouroi comme ça la production va augmenter topaze khawal la gine wali pres alpha pas naba mais di bandi Nara Naki. le patron de Topaz n'a pas pensé à tout ça dit fa la fe di ramadi bara mali agar entreprise rabelébelé la gine kega wali au lieu qu'on importe des plastiques agaraba la gine n'abiri naba di gaperra mais malgré tout le bandit a soutenu Anou Mamadi Doumbouya, Anou Balasamoura et Nara. Écoutez, et de Les malhonnêtes, ça on vous prévient. Le jour que le régime là va changer là, tous les malhonnêtes, on va vous mettre devant le peuple de Guinée et vous allez quitter. Nous, on veut des bons partenaires. Mais des malhonnêtes, des patrons malhonnêtes, on ne les veut pas en Guinée. Voilà. Aujourd'hui, tu as eu beaucoup d'argent. Tu as couché à Dubaï, non le CNRD, pour faire sortir leur argent, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas d'autres... Les gens les connaissent. Soit c'est l'argent de l'État, c'est l'argent de drogue. On passe par vous aujourd'hui pour faire beaucoup de transactions. Ils passent par vous pour faire beaucoup de transactions, parce qu'ils ne veulent pas que les Guinéens sachent ce qu'ils font. Toujours Bala Samouraï dans votre bureau là-bas. Le patron de Topaz. Toujours Bala Samouraï là-bas. Comment vous êtes si méchant Quelqu'un qui vous a tout donné. Tout donné. Moi, je ne dis pas que vous ne pouvez pas travailler. Mais le rôle que vous avez joué, le rôle que vous avez joué, monsieur, le rôle que vous avez joué, ça va vous rattraper demain. Tout ce que vous êtes en train de faire, parce que déjà le pays à terre, vous-même, Topaz, quand vous êtes. C'est-à-dire, les trois ans passés avant le coup d'État, les Guinéens, il y avait l'activité. Les gens construisaient. Donc y a, la demande était élevée du côté de Topaz. Mais actuellement, c'est comment? Vous êtes en train de vous prêter au jeu des bandits, on vole l'argent du contribuable et c'est vous qui vous jouez les manipulateurs. Topaz aujourd'hui, regardez votre production. Il y avait l'activité dans le pays. 19, 000, 19 200 fonctionnaires. Imaginez, s'il y a cinq mille qui construisent, s'il y a cinq mille qui achètent des tôles. s'il y a cinq mille qui achètent des brouettes, vos chiffres d'affaires augmentent. Mais aujourd'hui, tous ces travailleurs sont assis. Combien de Guinéens aujourd'hui peuvent construire dans notre pays Vous pensez que le coup d'État, c'était contre le président Fakonde Même vous, même vous qui les soutenez, même vous qui les soutenez, demain, vous allez voir votre entreprise en faillite. L'argent qu'ils volent pour vous donner, ça ne marchera pas. Voilà. Euh, famille. On va venir, j'ai dit il y a des artistes, ils vont devenir des blogueurs à cause de nous. Vous allez devenir des blogueurs à cause de nous. Parce que nous n'allons pas nous asseoir des illettrés. Il y a même un héros où comme on m'a dit, a fait des routes. Maman dit, a fait quelle route ici? L'accord des routes, routes. allez-y voir les documents. Qui a signé ces routes-là? Qui a trouvé le financement? Benoît Radoro est en train de mentir devant le peuple de Guinée. Comme on m'a dit, fait quelle route Regardez les routes aujourd'hui à Conakry. Regardez les routes du côté de Tanen. Autant vous voulez que ma population guinéenne Le sac de riz pendant 11 ans, c'était 230 000. Ça n'a pas varié. La farine, le prix des darés. Autant vous voulez que ma mère. dit Dumbouya, un bandit, un gangster, 40 tarés, le vous les artistes, parce que comme nous sommes à Ira, il y a même un concert gratuit. Il a mes concepts gratuits, c'est que Miguel Ndebaraso, au à un moment donné, il faut défendre la vérité. Depuis, depuis que Mamadi est venu, courant Siga, c'est vous qui parlez du bateau. Le même bateau qu'eux, ils ont envoyé. Le bateau était à 3 à 4 millions de dollars. Aujourd'hui, c'est à 7 à 8 millions. Pays, ils ont, ils ont changé quoi Ils disaient qu hier que non, le bateau coûtait cher. Mais le bateau, là, alimentait le village du président Fakonde. Car le bateau là alimentait la famille de, du RPG. Et on est roulé, Falama. Des mensonges qui n'avaient pas de sens. Mais aujourd'hui, le même bateau qui coûtait 3 à 4 millions est à 7 à 8 millions aujourd'hui. Et Moussé, c'est Falama Nakui. Et ça même, c'est petit. Ils vont encore signer. C'est des millions encore qui sortent du côté du Sénégal. Interconnexion. Pourtant, on avait le courant. Côte d'Ivoire, le bateau et les barrages. Regardez les barrages. Depuis que le CNRD est venu, ils n'ont pas payé les factures aux Chinois. Non, il n'y a qui. Les gens s'arrêtaient ici. Oh barrage, Yemouna. Vous avez entendu ça ici. Et Raoulé, Koyemouna. Voilà. Koyemouna. Attendez, il y a un bâtard ici là. On va, on va le mettre en pause. On va continuer. Voilà. Donc, Koyemuna. Maintenant, il pleut. Les barrages sont inondés. Vous les falaises ou vous à son nom à mineur. Je vous ai dit tant que nous ne payons pas l'argent des chinois le président Fakone est venu. Il n'y avait rien dans nos caisses. Il s'est battu à la sagacité, la confiance des partenaires. Ils ont fait venir des gens pour construire des barrages. Accord, monsieur. Si les bandits viennent, ils ne respectent pas ces accords. Vous partez chercher des investisseurs

euh, du manioc, tu vends et tu ne vas pas donner la part du producteur. Yoka, Tongo, Yirende, Na Tongo Mane, mati Mfani C'est aussi simple que ça. Mais depuis que Bandi est faré, Kobri les Guinéens payent les factures d'électricité. Regardez -le, les factures d'électricité au temps du président Fakonde et maintenant. Courant s'arrête. Avant le 5 septembre et maintenant. Malgré que courant s'arrête, mais les bandits et Mounoma, la Rabade. Parce qu'il faut payer les bandits. C'est force spéciale, c'était 500 personnes. Maintenant, ils sont à plus de 4000 personnes. Mamadi Garo. Mengeya Abra Garo. Donc, Kobri belé belé, Prime 10 millions. Souvent, des agents chefs, on les donne 50 millions. Et en plus de ça, les mercenaires qu'il a fait venir. Chaque mercenaire est payé à 5 000 dollars, près de 50 millions de nos francs. Pour entretenir les bandits, pour acheter tous ces équipements militaires. On n'est pas en guerre, rien. Le bandit est en train de dépenser des milliards et des milliards dans l'armement parce que le bandit a peur de sa tête. Voilà. Donc, Moutona là les artistes démagogues, ils sont venus comme ils ont, Mamadi a libéré, autant d'artistes n'ont autant artistes n'ont fugé, hypocrite Yakui. Vous êtes en train d'endormir la jeunesse. Mamadi est venu, la créer comme combien d'emplois La fonction publique actuellement, le recrutement, ils ont pris combien de personnes Au même il même y a des fonctionnaires qui ne sont pas payés actuellement. Aura oule couille. Dites aux gens. Mamadi a recruté combien de personnes? Mamadi a recruté combien de Allez-y voir les routes. Avant le 5 septembre et maintenant. Regardez nos routes aujourd'hui. Autora où les comme vous tu Voilà. Euh, Sim, moi je ne parle pas. Où disait un grand moi? Moi, je parle. Hein. c'est son problème. Moi, je parle en général. Parce que artiste Keregamara. Oudine n'a même pas fait de sang. Moi, je parle de ceux qui ont fait sortir des sorts. Voilà. Moi, je parle, celui qui se voit dedans, c'est son problème. C'est l'affaire de la Guinée. Aura intérêt à défendre ma la Guinée défendu On ne peut pas s'asseoir que des Vauriens, au e siècle, est-ce que des gens comme Mamadi doivent devenir présidents d'un pays sérieux Nous avons créé des écoles pourquoi Nous avons créé les écoles dans un pays. Pourquoi Pour que des vauriens. Comme les balas, les Amara viennent parce que vous vous gagnez, parce que vous vous êtes amis, vous avez accès au palais. On nous a et sommes à l'I. Peu autant de la Guinée Kera. Mais je vais nous faire fait. bébé na guelito. Peu autant mouna Mais La Guinée yare Les rapports tombent, vous voyez. Financièrement, c'est Mouna. Peu autant, Moura M. Falassona. Hein? Vous avez dit qu'aux jeunesse, quelle jeunesse? Un jeune des jeunes bandits attendez il y a un maudit là je vais euh, bannir banni ce maudit là d'abord vous, vous voyez le pays borinakanre 40 tarega de morum ou le falara on nous voit, nous les blogueurs à sorikana nous mini à studio pour insulter les blogueurs blogueurs vous allez tous devenir des blogueurs cette fois-ci. fois-ci vous allez tous devenir des blogueurs cette fois-ci. Moi, Damaro, qui vous parle, je, je n'ai jamais été membre du gouvernement du président Alpha Condé. Ok? Je n'ai jamais occupé un poste du gouvernement guinéen ici à l'ambassade. Je fais mon Uber, vous voyez? M. compte. Le RPG au pouvoir et mon et non de On veut que ce pays avance. Vous partez en Côte d'Ivoire, vous partez en France, vous partez ailleurs, vous voyez ces pays-là, vous voyez l'émergence dans ces pays. Nous voulons que la Guinée soit un pays émergent. La Guinée ne sera jamais un pays émergent avec des illettrés, avec des voyous. L'ancien Conte a fait 24 ans. J'ai un respect pour l'ancien Comté. Parce que Namu Moura Matière, lui n'a pas vendu Simandou. Lui, il avait toujours dit aux intellectuels de bien faire pour le pays. Donc je garde ce respect pour l'ancien Comté. Mais des bandits ne peuvent pas venir. Présent, il qu'on fait 11 ans. Est-ce que c'est le revenu de Simandou qu'il a pris pour faire les routes et autres là? autre à je pas. Hein Donc, ne ne pas bloguer, attaquer ou des trucs comme ça. À un moment donné, oh, il était ressaisi. Hein? Oh, il était ressaisi. Oh, il était ressaisi. Si c'était ça, le coup d'État, on ne devait pas faire le coup d'État. Au moins, il faut que on savait où ils étaient au temps du président Fakonde. Au moins, elle a celui Il était en Guinée, il avait sa maison. Tous ces Guinéens-là à la fonction publique travaillaient. Il y avait la sécurité. Mais aujourd'hui, tout ça c'est parti. Et vous voulez que nous soutenions des vauriens comme ça Vous voulez que nous. Si vous voulez défendre Mamadi, mais défendez Mamadi avec des raisons valables. Venez dites aux Guinéens, depuis que Mamadi est venu, voici le nombre d'emplois qu'il a créé. L'endroit où faire, L'endroit où se débrouillaient certains Guinéens dans les mines artisanales, tout ça s'est fermé aujourd'hui. Le taux de banditisme aujourd'hui a augmenté partout. Mais les, on tombe sur nos petits commerçants, les, Nos mamans là qui se débrouillent dans le commerce, et biramas, parce qu'ils ne peuvent pas aller dans les mines pour chercher. Les bandits sont venus enfermer. On est en train de donner des permis aujourd'hui à des étrangers. Laissez des Guinéens, quand ils vendent la bauxite, l'argent ils, ils mettent dans leur pays. Ils payent l'impôt dans, dans leur pays. Pendant ce temps, ils sont là-bas. Donc, euh, moi je vous ai dit, hein, à un moment donné, ressaisissez-vous. Hein, on ne va pas laisser la Guinée dans les mains des bandits. Et ça, je vous le dis, on n'avait pas besoin de vous dire, mais mettez en tête, oh Inshallah, Inch'Allah, Nananabama. Kabo Mané, Mané. Après le 31 décembre, Araba Libikia il y aura un gouvernement parallèle, les forces vivent. dans toutes nos ambassades, on va chasser tous les voyous, ça je vous dis à partir du 31 décembre, nous n'allons le peuple de Guinée, personne ne va reconnaître ces voyous là car à car à mais personne ne va s'asseoir, laisser des voyous qui ne sont pas des élus du peuple en train de détruire la Guinée. On va mettre un gouvernement parallèle. Car chauffer, ma, mais dans l'intérêt du peuple. Mettez cela en tête. Hein. Il y aura un gouvernement parallèle. Dans toutes nos ambassades, on va chasser. Et c'est les forces vives que la communauté internationale va reconnaître. Si, si c'est les armes, ils vont prendre leurs armes pour venir nous trouver à New York. Ils vont prendre leurs armes pour nous trouver dans toutes les ambassades de la Guinée. Regardez-moi des bandits comme ça. Pour soutenir des gens dans le mensonge. ou les couilles. Dans le mensonge, vous les couilles. Ça ne passera pas. Hein? Vos imams, c'est-à-dire vos karamokos que vous venez de faire venir là. Pour vous, quand ma avez fait venir à la Guinée. Au phare, vous, vous n'avez pas les karamokos, les féticheurs que vous avez fait venir de l'Inde. Et tant que les rayons, ils font la Guinée. ma fera, une population. Et Et la banée. Ils au la banée. Autant qu'à autant Alara. Vous n'avez absolument je vous dis c'est Dieu, Allah. Vous savez, quand vous avez fait le coup d'État, vous oubliez certaines choses. Le rappel profite aux croyants. Mais qu'à on m'a Vous savez, le 5 septembre, il y a des Guinéens qui n'ont pas compris. Ils se sont levés, ils ont applaudi. Mais ne savaient pas que ça allait se retourner contre eux. Aujourd'hui là, pourquoi Mamadi ne va pas défiler à Bambeto? Autant escroc n'est-ce pas, y autant escroc, mais c'est maoumou ouais ma, négrier t'as soutenir et bah la comprend bandeignera, peu autant de minde, parce que y'a a dans ce fait terme autant son fait courir na terme ne, Awa voir sentiment après. Hein? Gaïe comme Mamadi, tout, en tout cas ça on vous prévient dès maintenant. Et le 5 septembre à venir, les forces vives disent que Grand Conakry, moi Damaro, je dis sur l'étendue du territoire, moi communication, force, force en aide. Mais nous nous demandons, tant que vous demandez Grand Conakry, les voyous là, ils font venir les gendarmes de Frecaria, les gendarmes de Kamsa, les gendarmes de Koya, les gendarmes, de, en tout cas les villes aux alentours de Conakry ils font venir les gendarmes pour occuper les grands carrefours de Conakry. Mais si vous dites manifestation générale, c'est maintenant qu'on doit commencer avant le 31 décembre. Mais autant la thèse Conakry chaque fois. C'est pourquoi et moi, les gens ne sont pas engagés maintenant, c'est toujours l'axe qui sort parce que vous ne dites pas général. Dites général sur l'étendue du territoire. Les Guinéens sont fatigués. Tout le monde est fatigué aujourd'hui, la Guinée la Ethno Nerey les démagogues, là, ils sont combien Les démagogues, c'est parce que vous, les leaders, vous ne dites pas la manifestation générale. En tout cas, moi aujourd'hui, en tant que leader d'opinion, je demande tous les Guinéens le 5 septembre à venir. Au manifesté. Afinima Nara Finera. Maman dit de mouy à fincarina tongo. afa faka. Et interdité. Le bandit a pris les armes pour tuer les gens le 5 septembre. Nerey Ouyama pour dire trop, c'est trop. Est en Et à nous, moutard, ne fait ça. Et à Et Bandi. traite. Par rapport à des Guinéens qui disent la vie est chère aujourd'hui. Les, les commerçants souffrent aujourd'hui. Les enseignants souffrent. Les agriculteurs. Tout le monde souffre. Même les travailleurs de l'État. Même les forces spéciales. Ils sont tous devenus aujourd'hui des prisonniers. Et Birimara finir prisonnier. Elle a téléphoné sur eux, écoute. Birimara prison en Maman m'a dit qu'elle était en prison. Et là, la Guinée finit. Alors, comment je vais dire, Corée du Nord, tout est contrôlé. Où les fallait, on sa dit, ça va, voilà. dit, a Les gens qui défendaient le président, il Et là, il Gara Firi, pas de au moins, ça c'est logique. On ne sait pas, le président, il faut qu'on le président, il n'y a pas de Mais autant, où les fallait, artise. Oso en amine. Oufala depuis Mamadi Barafa. Ce qui a profité au Guinée. Oufala moube. Pandebawa escroyarawa. Voilà. Toi, Mori Touré Moi, je parle des patriotes. Je parle pas des maudits comme vous. Ok Je ne parle pas des maudits comme vous. Parce que. Allou moua koutanou. Allou ya ma soukolé. La guinette soukoué. C'est cette haine qui est en vous. C'est l'ouda est, est devenu maintenant de l'objet pour faire peur aux guinéens fait de la politique c'est le soukafsa mamadié anyo falignéné c'est le soukafisa mamadi A soukafisa. anté seul aliyé seulou maslana alinyamika au soukafsa mamadi doumbouya c'est très simple A ak d'état que mankali là président fakoné amadao made sadiba ka sadiba fois docteur Diane, maninka, ayé kasola damaron loupé donc argumenta aluboro

arlu kɛ solu ɔ nalkisi kunu ko kurante denmiselu tu barabola kankan aldi grupelu ta kamlumadiya m bi kand les jeunes son sortie pourdi uranté las ant alye kasola alu fisililn balilu maintenanceselu dalɛ albaraprala flal kɛnit abnita kamɔluma silan via kafriya ko ko slama bɛ kerea So so slamam bresse slamam al bekrein al belagneka ali moyre teslamay ala kokuka ikakodjuka la a plus faute raison allou la raisonnement Oh, mamadi, dit molo flanta ta conte nous nous te flayo ça dit pas mi fo flate voilà sur rasime nou blani kasola lui, ta donc a la raisonnement votre raisonnement bidon communautaire ça tient même pas vos raisonnement communautaire ça tient pas depuis Mandib, Abraham Mouké, à part manipuler, endoctriner les jeunes malinqués, 99%, j'ai dit bien, 99% presque, des jeunes qui viennent de recruter tout récemment, ça a été sélectif. Il n'y a pas eu un concours national de recrutement pour dire ceux qui veulent devenir force spéciale, ils les ont tous approchés. Et l'idée qu'on les a dit, qu'on a allé à de Swasiaro, en a pouvoir l'été, à manka les premières heures, quand les maudits du CNRD, ils m'ont appelé, c'était ça. Les ethnos, Je sais comment ils appelaient les autres. Et c'est là que je me suis mis devant leur chemin. On comptait c'est Le pays ne peut pas avancer. Je ne veux pas voir la Guinée comme le Libéria. Je ne veux pas voir la Guinée comme le Rwanda. Je sais comment ces bandits la communiquaient. On peut faire de la politique. On peut être opposé à celui d'Allé, On peut être opposé à son parti. Mais de la manière dont vous êtes en train de faire. Et je vous ai dit, vous devez changer. Nalmato, Vous êtes venu. J'ai parlé de commerçants, de médicaments. Même moi, avant, quand vous regardez mes vidéos, j'ai dit, les pharmacies partaient. Il y a des médicaments qu'on peut vendre dans les boutiques. Mais il y a des médicaments, ça doit être sous... Ça doit être prescrit par le médecin. Tous ces médicaments-là, on doit les retirer. Mais la manière dont vous avez procédé, c'est avec haine. Pascal Calon, à le commerçant, à Warty Fankren, à Befla, vous avez laissé les gens. Vous n'avez pas fait de préavis. Vous ne les avez pas dit, à partir de telle date, nous allons interdire l'importation de ces médicaments. Vous, avez, vous les avez laissés. C'est comme si vous les avez dit, allez-y acheter les médicaments. Ils sont venus combien de conteneurs Plus de 400 conteneurs, des milliards et des milliards. Vous avez tout détruit. Vous êtes allé dans leur magasin. L'argent qui était là-bas, vous avez tout pris. Si ce n'est pas pour s'aimer la haine, ceux qui veulent construire un pays, ceux qui veulent diriger, ceux qui veulent unir, ceux qui veulent rassembler, ne le font pas. Vous ne vous êtes pas limités là-bas. Aujourd'hui, c'est les banques. Kofla Lourani, quand les peuples sont nombrés dans les banques, c'est la faute de qui? Les Konyaké, il y a d'autres qui ont voulu devenir chauffeurs de Magbana. C'est la, la faute, de qui? Il y a des soussous -sous qui veulent devenir pêcheurs, c'est la faute de qui? Il y a des peuples qui veulent devenir commerçants, c'est la faute de qui? Il y a certains qui veulent devenir. Dans l'armée, les maléquins sont beaucoup C'est la faute de qui? Si aujourd'hui, il y a des peuples qui sont nombrés dans les banques. Aujourd'hui, vous avez délapidé tous les richesses du pays. Le président Fakonde a fait ses 11 ans ici. Vous avez vu la haine, là. Tous les Sonoko, tous les grands commerçants, là, on les a aidés ici. OK? Je parlais de, du patron de Topaz tout de suite, là. Mais pourquoi dire que non? Vous allez détruire cela. Mais donnez de l'argent à vos frères. La concurrence, c'est ce qui avance un pays. Sur leur taux d'intérêt, c'est 6%. Donnez de l'argent à vos frères, d'ouvrir des banques aussi. Vous allez faire vos taux d'intérêt à 4%. On avance un pays comme ça. Mais vous ne pouvez pas venir construire un pays avec la haine, parce que ici. Non, ça ne marche pas. Vous allez prendre l'enseignement. Les forêts sont nombreux dedans. Vous allez du côté de la gendarmerie. Là-bas, il y a des forestiers qui sont un peu nombreux. Vous prenez l'armée, les Malais qui sont nombreux. Vous prenez les banques, même l'administration, les... il y a des peuples qui sont nombreux. Mais comment vous allez venir non au niveau des banques? Parce que vos politiques, vos sales politiques que vous voulez faire, certains n'acceptent ne, ne, pas le jeu. Je vous ai dit de changer cela. Sinon, vous allez pousser certains. Le Burkina, là, si les gens ont pris les armes, voici des causes que vous devez éviter. On vous dit haut et fort en banan, sous Rodi. En tant que Bana, en mon Mais Djamana, la co, Djamana, Djamana, dit là donc. Si là, si coca, Fagne, cela, le coca. Nous n'allons pas accepter. Parce que vous êtes limités. Vous n'avez aucune notion de la République. Nalma, que cogné. Aldi, mon pousser. Aldi, moi, Et Antaladallah, Antaladallah. On ne veut pas cette salle politique-là. Et faites du bien seulement. Les gens vont vous aimer. Le 5 septembre, ils ont applaudi pour vous. Le 5 septembre, vous étiez à Bambetou. Ce que vous avez dit au peuple de Guinée, respectez vos engagements. Les gens vous ont aimé pour ce que vous avez dit. Bon, respectez vos feuilles de route. Ce que vous avez dit au Guinée. Vous êtes venu pour instaurer la démocratie. Ni vous, ni aucun membre du gouvernement ne sera candidat. Vous avez dit ici qu'aucun Guinéen ne va mourir pour son opinion. C'est-à-dire pour son choix. Vous avez dit tout ça ici. Mais si aujourd'hui, combien de jeunes de Bameto sont tombés Pourtant, vous étiez là accusé le régime d'Alpha Condé... Vous, vous avez apporté quoi? Quel changement Le FNDC, ils sont où aujourd'hui? Parce que Altéchi, y en effet. Tous les escrocs qui viennent auprès de vous, c'est vous caresser. J'ai dit aux Guinéens ici, si moi Damaro, je voulais profiter, je pouvais profiter de Mamadi. Si je voulais profiter, vous le saviez bel et bien. Que si je voulais profiter, je pouvais profiter de ce système. Même les Kunduno là, les Fonikemangé. Vous les avez proposé tout. C'est parce qu'ils ont mis l'intérêt de la Guinée devant. Sinon, fonique on l'a proposé le poste de ministre, il a refusé. Parce qu'il avait compris déjà, vous aviez l'intention de ne pas partir. On m'a dit, tu pouvais sortir par la grande porte. Le chemin que tu as emprunté, tu vas voir les conséquences devant. On m'a dit, si tu penses que non, même si tu veux, toute l'armée guinéenne, il faut transformer en force spéciale. Tous les grands dictateurs sont tombés. Blaise Compaoré a fui son pays. Pourtant, c'était une armée à lui. El Béchir est tombé devant tout le monde. Donc, ne pense pas que non, les mercenaires que tu fais venir. Non, Mamadi. Danatimi Oleka Danatimi Oleka Ne pense pas que non, tout va bien, que ça va passer. Non, tu ne peux pas enlever le président Alpha Kondé. Tu ne peux pas dire que le président Fakonde n'avait pas droit à un troisième mandat. Et toi, tu viens, tu fais pire. On m'a dit, ça ne marchera pas. Et je profite pour dire à la famille, tout ce que les gens racontent aujourd'hui, ce sont les communicants des gens de Ousmane Gawal, de, 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 du CNRD. Vous savez, ils ont eu la honte de leur vie. L'affaire de 2 milliards qu'ils ont voulu signer sans que le peuple ne sache. Aujourd'hui, c'est devant le monde entier. La corruption à ciel ouvert des bandits du CNRD. Donc, en quelque sorte, pour que les gens se focalisent a le président Fakonde, je ne vais pas même manquer de respect au président Fakonde. Je pouvais, je peux appeler tout de suite le Fama devant tout le monde ici dans ce live, mais je ne le ferai pas. Le Fama va super bien. Il va super bien. Tous ceux qui souhaitent la mort du FAMA ils seront tous enterrés avant que le FAMA ne participe. Donc, il va super bien. Vous savez, tous les escrocs qui sont autour d'eux là-bas, il y a des gens, peut-être qui étaient en contact avec le FAMA avant. Aujourd'hui, ils ont coupé tous les contacts. Ils sont embrouillés. Ils n'ont aucune information du président Fakonde. Donc, ils sont là à inventer des salades sur la vie du président Fakonde, pour que les Guinéens oublient la, les réalités du pays aujourd'hui. Ils ont dit le bateau vient le 16, que le courant sera 24 heures. Non, mais grand. Quand à partir du 16, grand Oudi, courant à et Sindego. La Guinée a wafflé. Grand. mona le combien tout temps? Porte-parole du gouvernement. Aujourd'hui, c'est le 22. Hein. Oudi premier. Aujourd'hui, c'est le 22. Vous avez dit à partir du 16. Donc le courant va venir, 24 heures. Tu avais parlé des 2000, 2000, euh, 2000, comment je vais dire? 2 milliards là. Tu as vu, avant hier, ça a été annulé. Donc à Briou lénar. tu mènes ta vie tranquille. Tu n'es pas ministre du gouvernement. Tu, tu, tu mènes une très belle vie. Ton fils aujourd'hui vient d'avoir un contrat à l'étranger. Demain, si quelqu'un te voit avec de l'argent, ton fils a signé avec Monaco, la Guinée-Cabirimbaranato, même moi j'ai partagé. Mais tu vas, tu vas salir ton nom. Moi je ne dis pas d aller, d aller, de ne pas aller prester. Il faut pas suivre les autres petits là. Sinon, il y a un homme Voilà. Il faut faire comme le Moula en Côte d'Ivoire. Quand le gouvernement, ils ont des événements, toi tu fais tes trucs. Mais démagogie, il y tu n'as pas encore chanté un son d'abord de ce genre. Personne ne va t'interdire de dire, il ne faut pas aller, tu es un homme de culture, de ne pas aller au palais. Mais si il n'est rémunéré, ou bien, il était fini, communicant du CNRD, à amen, Inara, on va t'attaquer. Tu sais que moi, j'ai un grand respect pour toi. Mais, voulez nous beau, on va parler, voulez nous beau, on va parler. Voilà. Les gens sont en prison aujourd'hui, vous ne voyez pas. La vie sous ces gens qu'on a traités de voleurs. Ali Touré est sorti ici se flanquer devant le peuple de Guinée quand Dr Kassori a détourné 46 millions de, doll euh, euh, 46 millions de dollars. Pourtant, c'était le plan de riposte de Covid. L'argent n'a jamais été donné. Mais Ali Touré n'est pas sorti ici pour blanchir Dr Kassori sur ça. Ali Touré est sorti ici se flanquer quand Dr Kassori a une banque aux États-Unis. Parce que tout simplement, quand ils ont posé la question à Dr Kassori, que sa maison aux États Unis, comment il a obtenu? Il dit que c'est sa banque. Mais comme le villageois, il n'était pas sorti, il n'a jamais vécu en Occident, que c'est la banque qui achète les maisons. Le villageois Ali Touré, il a accusé le président Fakonde que non, non, plutôt Dr Kassori, qu'il a une banque ici, aux États Unis. Le même villageois d'Ali Touré a dit que Dr Kassori est actionnaire, Sheraton, actionnaire, Plaza Diamond Mais avec les enquêtes, ils n'ont rien trouvé. Ce, ce, ce fanfaron de Ali Touré n'est pas encore sorti pour blanchir Dr. Kassori. Mais quand il s'agit de Gomu, de Ousmane Kaya, de, de Charles Wright, des autres, là, il, il s'est sorti pour dire voilà, hein, on a fait des enquêtes, nanani, nanana, comme l'a dit, on les a blanchis. Mais pendant ce temps, les anciens dignitaires, il n'y a pas eu d'enquête. On les a pris, on les a mis en prison. Je vous dis oh Allah, Dieu ne peut pas vous aider. Tous les grands projets dans le gouvernement du président Fakonde, tout récemment, les trois dernières années, tous les grands projets. Vous avez vu les vidéos, le, pré le, le, le président Fakonde d'abord était avec le président chinois. Après, docteur Kassori et son gouvernement, ils se sont rendus. Tous les grands projets aujourd'hui où le CNR2 se tape la poitrine. Et c'est l'effort des autres. Comment vous allez venir prendre l'effort des autres, les insulter, les rabaisser, les mettre en prison Regardez la tendance. Hier, les gens, peut-être, ils ont applaudi hier pour cette histoire de Kiev, mais aujourd'hui, le Guinéen est dessus parce que tout le monde a compris. Le procès s'est suivi. Les Guinéens ont compris que c'est juste de la mascarade, c'est juste de la manipulation, parodie de justice, comme ces gens. Tout le monde a compris. Les immeubles poussent aujourd'hui à Conakry. Au vos familles sont hors de la Guinée aujourd'hui. Vous achetez des maisons en Côte d'Ivoire un peu partout aujourd'hui. Bini nakolo. Peu ou monsieur fala ma me rebe. Ab c'est na figué. Peu ce côté. Quand même les gars. Moi je le dis à tout le monde. Moi ce que le moi ce que je demande c'est un de à loroné. je vais sortir devant le peuple de Guinée ici. Voilà. Tant qu'on ne respecte pas le président Fakonde, qu tant qu'on ne laisse pas les leaders politiques tranquilles, tout le monde veut la justice. Des... Mais oh, tranché très bien. Quand tu veux éduquer les enfants d'autrui, il faut d'abord prendre l'exemple sur tes enfants. Depuis, Mamadi est venu. Malgré que l'inspecteur de l'État fait des rapports, des grands détournements, mais est-ce que le CNRD a inculpé un membre du gouvernement CNRD? C'est toujours contre les autres. Encore, euh, la Guinée, actuellement, d'ici la semaine prochaine, je vais commencer à travailler. Tous ceux qui ont des informations, comme vous connaissez mes pages, les médias sont fermés. On n'a pas le choix. Nous, on n'est pas payants. Hein. Nous ne sommes pas des journalistes pour faire des publicités. Vous savez, moi, mes pages ne sont même pas monétisées. Je fais ça pour la patrie. C'est pourquoi mes ennemis ne peuvent pas prendre le dessus sur moi. Il y a des gens qui disent que mes, mes, mes vidéos anciennes, que j'ai dit ça à l'UFDG, j'ai dit ça. <laughs> L'amour qui est entre moi et l'UFDG, quand je vois des fanfarons communicants de CNRD, que, ils vont venir que, voir des damaro. les militants... D'abord, je vais chercher la vidéo. L'amour que les militants de l'UFDG ont pour moi, si vous voulez... Moi, je, je n'ai jamais enlevé mes vidéos. C'est pourquoi j'ai dit. Mes propos d'avant, je l'ai toujours dit. Damaro d'hier et Damaro d'aujourd'hui, il y a un grand changement. Ce que Damaro a appris aujourd'hui, pour notre pays, Damaro ne peut pas être comme le Damaro d'avant. Vous savez, au début du blog, même quand quelqu'un dit quelque chose, on sortait, on les répondait, on, on insultait même. Vous pensez que moi, aujourd'hui, des personnalités me suivent. Même le bandit Mamadi Dumbuya me suit. J'ai des enfants, j'ai des parents. Vous pensez que moi, je vais venir m'asseoir, que pour un fanfaron qui m'insulte, que moi, je vais répondre à ce fanfaron Non, non. Je ne suis pas à votre niveau maintenant. Voilà. Et tout, c'est-à-dire, vous mettez cela. Parce que moi, j'appelle aujourd'hui. Au lieu de chercher qu'au UFDG, Damaro a dit ça là. Mais pourquoi vous êtes bêtes? Vous, vous êtes des défenseurs de Mamadi. Dites aux Guinéens ce que Mamadi est en train de faire. C'est là que je sens que vous êtes des bêtes, des nalomans. Au lieu de chercher qu'au Damaro. Et ils savent déjà, ils connaissent Damaro. Voilà. Ce n'est pas vos vidéos là, je vous ai dit, vous êtes des petites personnes. Vous êtes des petites. Si ce n'est pas des gens qui m'appellent pour que je parle, oh là, moi je ne vous suis pas. Vous m'avez vu dans le live des petits blogueurs. Vous m'avez vu commenter devant. Je ne cherche pas, allez-y regarder mes pages. Je vous montre ici. Je suis certain quand on m'envoie, ma page, ma Guinée d'abord, il n'y a que 13. Je suis abonné à 13 pages. Et si vous regardez, voilà la page de Baïdi, mon oncle Ahmad Damaro, le président Fakonde, Ousmane Sonko, et la page de. de, de J'oublie son nom là. Tola. La page de Habib Marwan, Djelima. La page de Nasser Abou Anas, de Lincoln, le petit député, du président Ouattara. Et mes deux autres pages. Vous allez dire quoi? Moi, je ne, suis, je ne vous regarde pas, je ne vous suis pas. Et vous ne pouvez pas changer la donne. Voilà. Vous savez, moi, j'avais déjà prédit tout ça. Là. Et c'est pourquoi quand il y a eu le coup d'État, j'avais déjà dit, j'avais prévenu l'UFDG. Pourquoi je ne me suis pas mis dans la peau de ces gens qui ne réfléchissent pas, qui ne font pas la part C'est pourquoi je vous dis, que ça soit sérieux aujourd'hui à la tête du pays, c'est pas parce que je ne suis pas dans l'UFR. Que voilà, je vais être contre. Non. Sidi Atouré aujourd'hui à la tête de la Guinée est dix mille fois mieux que les voyous à la tête. Et la céréodale à la tête de la Guinée est dix mille fois mieux que les voyous. C'est ce sens de réflexion là que vous ne faites pas. Des gens qui n'ont aucune notion de la République. Regardez là, ça raconte son temps. Et le temps, les dadis là. Ces gens là, c'est des voyous. C'est des gens qui n'ont rien dans la tête. Donc si vous vous venez, quand vous allez dire Damaro, d'abord je vous ai dit une chose, que vous ne comprenez jamais. Moi, je n'ai jamais été communicant du RPG. Le RPG, allez-y, cherchez la liste. Moi, je n'ai été qu'un simple alphaïste. J'ai le président Alpha Condé, je vous ai toujours dit. Hein? Je vais défendre le président Alpha Condé. Mais dire que RPG, quoi Non. Nous, nous sommes que des blogueurs. On parle de tout. Donc, moi, ma position, vous ne pouvez pas changer. Au lieu de perdre votre énergie sur moi. D'ailleurs, vous faites des vidéos. Souvent, on m'envoie des captures, mais je dis Mais les gens là sont bêtes. Moi, si 50% même des gens qui viennent sur mes pages ici sont contre moi, mais je vais arrêter de parler. C'est que mes vidéos n'ont pas de sens. Si 50% de ceux qui me suivent sont contre ce que je fais, même Facebook, ils vont fermer. Voilà. Mais vous, vous partez, vous parlez de moi, les gens vont vous. Ils disent là-bas, ah non, le général 5 étoiles, ferme ta gueule. Le général 5 étoiles, on aime le général 5 étoiles. Donc, euh, la famille, le combat continue. Voilà. Et Ousmane Kaya, ça fait combien de jours maintenant Vous êtes du côté de Paris. J'espère que vous avez trouvé la solution à votre. à votre calebasse. Voilà, vous avez, vous avez appelé les fédéraux de l'UFDG, quelques militants de l'UFDG la dernière fois, vous vous attendiez à plus de 50 personnes, même 10 personnes ne sont pas venues. <laughs> C'est pourquoi vous n'avez pas vu les images de Sérac, donc on n'a pas voulu mettre les images, on n'a pas voulu exposer certaines personnes pour vous dire combien de fois ils ont tapé poteau du côté de l'Europe. Et vous avez vu ici aux États-Unis, Ousmane Gawal, il faut venir aux États-Unis, Koserak, comme mouvement de soutien ici. Ça, la manif que nous avons organisée tout récemment, là, la communication, c'était une semaine seulement. Venez ici aux États-Unis, Koserak, vous allez bien nous connaître. Et cette année, on attend Mamadi Doumbouya. Le 10 septembre, vous savez, c'est l'Assemblée générale des Nations unies. On attend le bandit Mamadi Doumbouya cette fois-ci. Vous savez, les Guinéens n'avaient pas encore compris. Beaucoup doutaient que si, est-ce que le bandit va respecter Tout le monde a compris maintenant que le bandit ne veut pas quitter. Et donc, il n'y a pas de problème. Ousmane Kaya, tu peux venir encore. Tu connais bien. Tu connais bien les jeu. Tu connais bien les New-Yorkais ici. Ce qu'on t'a montré du côté du Bronze, c'est-à-dire Kalebas là. On va bien diminuer Kalebas là. C'est Kalebas là, on va attraper des bandits comme ça, là. Vous, voyez, vous ne voyez pas la situation du pays. Il faut venir. C'est en Kalebas, là, qu'on va casser cette fois-ci. Deux mois, des bandits comme ça, là. Donc, famille, je vais vous laisser le combat continuer. On est ensemble. Inch'Allah, on se reprend encore demain pour d'autres vidéos. En tout cas, n'hésitez pas. Voilà. N'hésitez pas, vous avez des infos. Vous avez des infos. Les médias sont fermés. Voilà, si j'ai le temps, je vais répondre. J'aime pas qu'on m'appelle. Celui qui veut échanger avec moi, il suffit de m'envoyer des messages. Damaro, il y a tel sujet. Et je vous ai dit, vie privée des gens, je ne parle pas. Quelque chose qui se passe entre vos maris là-bas, je ne suis pas le maire, je suis désolé. Ton mari t'a trompé, ça ne me regarde pas. Ta femme t'a trompé, ça ne me regarde pas. Et ta femme t'a volé, ça ne me regarde pas. Ton mari a épousé deuxième femme, ça ne me regarde pas. Ou bien vous avez fait tontine, on a pris votre, votre argent, ça ne me regarde pas. Moi, je vous ai dit mon combat, tout ce qui est général. Parce que demain, moi, je ne vais pas me mêler de la vie privée. Al-Kiyama, ils vont aller me demander. Affaire de la Guinée, là, je parle demain. Je suis dans mes droits. al je suis tranquille. C'est pourquoi je parle, je n'ai peur de rien. Mais la vie privée des gens, c'est pourquoi j'ai dit aux gens, quand les gens me parlent, ah maman, on m'a fait ça, j'ai dit je ne parle pas de la vie privée des gens. Ce qui est qu entre deux personnes, je ne t'ai pas là-bas. Mais ce qui est qu de la Guinée, je sais qu'il y a des documents, les vols qui font des mouilletiers, le cadre du gouvernement, quand ils abusent de quelqu'un comme les balas sont en train de faire Emre pas la Et nous fabriquons, la Abus de abus voilà, de pouvoir, la donc, les autres là, je ne me mêle pas. Donc, ne dites pas que je refuse. Blogueur n'est pas n'a Mais il y a Voilà. Merci à tout le monde. Nani Magasuba, Mamadoudaï Diallo, merci à vous. Ousmane Traoré, Suleyman Kondé, Djibé Balde, merci. Diallo, Cravate Junior, Eska Fufana, Diallo, merci à vous. Non, ma santé, il y a du mieux. Voilà. D'abord, vous devez remercier Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu. Lorsque vous regardez, même les compagnies d'assurance, quand je les ai envoyés les images, ils ont vu. Ils, vous savez combien de fois ils m'ont appelé. Are you okay? Mais moi, je suis mon traitement. Voilà. Je les ai dit, je suis mon traitement. Eux-mêmes, quand ils ont vu la voiture, ils ont dit, Tu étais dans la voiture? J'ai dit oui. Donc, c'est pour vous dire, la, ça, c'est Dieu et la bénédiction. Voilà. Donc, l'âme euh, de vous me voyez, j'ai été à New York aussi, c'est Koukanet. Amado Laila Diallo, merci à vous. Mamadou Dai Diallo, Justin Tupou Vogui, merci à vous. Merci à Sambaké Tanzan. Bangoura, merci à vous. Merci à Mamadisila. Ousmane Traoré. Aïsatu Diallo, merci. Fotewel Bari. Elay Solomana Traoré, Guinémengue, merci à vous. Ibedino Diallo, merci à vous, ma soeur Fanny, Sangare Abraham. Ne baissons pas les bras. Il ne faut pas que ce petit groupe de profiteurs essaye de nous décourager. Voilà, il n'y a qu'un petit groupe. Nous le savions tous, nous sommes tous conscients qu'aujourd'hui, 95% des Guinéens, je parle de ceux qui vivent en Guinée,

o awaya mu muta dama ginekonbi barati mutan xa para amu sése kanamuma ginekonbi barati wule biri bara falamu bɛ enaxa bangi mu mu yira e naxasd mumu wal fe asooxki alo ona demande sintfran quelquenis na wule biri barafalamutaxafebrafal